Dobry den, nous avons la chance de nous retrouver dans le château de Gordes qui, de 1970 à 1996, a abrité le musée didactique de Gordes qui présentait l'œuvre peinte de Victor Vasarely. Toute la partie historique de son œuvre s'est retrouvée pendant cette trentaine d'années dans ce château Renaissance qui a été restauré par Victor Vasarely à la fin des années 60. Et c'est ce projet qui est à la base de la Fondation Vasarely. Donc le château a été inauguré en 1970. Il présentait toute forme d'œuvres sur supports différents, tapisseries, sculptures en bois peint, œuvres originales sur toile. Des multiples également. Il y avait pratiquement 430 œuvres originales présentées sur trois niveaux. Cette salle était la salle d'entrée, la salle principale, où nous pouvions trouver quatre tapisseries d'Aubusson. Nous avons vu hier à Aix-en-Provence des œuvres monumentales réalisées par cette entreprise. Eh bien, nous avions la chance d'avoir présenté ces quatre tapisseries qui faisait à peu près 2,30 m sur 2,30 m, sur ce mur. Et sur les autres, nous avions des œuvres en céramique ou en aluminium anodisé. Alors, cette pièce était tout à fait intéressante à l'époque, lorsque nous avions encore la possibilité de voir les œuvres de Vasarely, puisqu'elle présentait vraiment un contraste très très fort entre cette cheminée Renaissance, qui a été légèrement restaurée, et les œuvres très abstraites, très géométriques, à l'époque, très coloré de Vasarely. Gordes Vasarely connaît ce village au sortir de la guerre en 1947, lorsqu'il sera invité par des amis parisiens qui ont de la famille en Provence. Et il va tomber tout de suite amoureux de ce village provençal qui, à l'époque, est complètement désolé après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, très rapidement, il va acheter une maison des Boris dans la garrigue, à proximité donc, du village. Eh bien, il va tomber amoureux de l'ensemble de la région et il sera fasciné, bien évidemment, par les paysages spécifiques à ce territoire, mais aussi, bien évidemment, par la lumière, comme beaucoup d'autres artistes qui vont connaître au même moment eh bien, la Provence. D'autres avant lui, Chagall, Picasso, bien évidemment, connaîtront cette région et resteront très attachés en termes de création à cet environnement. Donc Vasarely va venir régulièrement à partir de 1950 jusqu'à 1990, tous les étés, à Gordes, dans sa maison, pour travailler. Travailler seul avec son épouse Claire, travailler avec parfois quelques assistants qui l'accompagnent. Donc, vraiment, cet endroit est très important dans son œuvre. C'est le point de départ, je le disais tout à l'heure, de la fondation. Le château sera reconnu d'utilité publique. La fondation sera reconnue d'utilité publique en 1971, donc pratiquement un an après l'ouverture du château. Et c'est la première étape, encore une fois, avant la construction du centre d'Aix-en-Provence. Alors nous nous trouvons ici dans le salon de Victor et Claire Vasarely, dans la petite maison des Devants, cette propriété qu'ils ont achetée en 1948-49. Et c'est un espace tout à fait important dans la création de l'œuvre de l'artiste, puisque le petit fenestron qui se trouve derrière moi eh bien, va complètement influencer une grande partie de son travail tiré de sa période noir et blanc. Il va constater, très simplement, qu'à partir de l'intérieur, cette lumière, ce puits de lumière est très fort, très intense, très, très blanc. Et par contre, quand on voit ce puits de lumière de l'extérieur, il est tout noir. Donc ce contraste va naître en fait de la découverte de ce fenestron, de cet environnement tout à fait étonnant à ses yeux, qui va révolutionner, qui va bouleverser tout son travail plastique dans les années 53-54. Donc vraiment, c'est un lieu
non pas nostalgique, mais un lieu où l'on repense à beaucoup de souvenirs. C'est souvent l'endroit que choisissaient ses amis hongrois pour venir le rencontrer l'été. L'occasion à chaque fois d'être invité, si c'était des amis proches, eh bien, à séjourner dans les Bories, hein, qui se trouvent à proximité de la maison, des anciennes maisons de paysans, de bergers, ou alors à l'hôtel à Gordes. Et c'est vrai que c'était souvent des moments rares où il retrouvait ses amis, sa famille, pour jouer aux boules également, pour profiter des quelques moments de soleil qu'il se permettait d'avoir. Alors ici, nous avons quelques témoignages d'époque au moment de la construction du bâtiment. Et on voit donc ces photos d'archives de Vasarely qui visitent eh bien, ce bâtiment au moment de la construction, donc entre 1974 et 1975. Victor Vasarely était très, très attaché effectivement à suivre de près eh bien, ce travail de réalisation en collaboration étroite avec les deux architectes, donc Jean Saunier et Dominique Ronceret, mais également avec un troisième architecte qui, lui, était attaché à la réalisation des œuvres monumentales. Et cet architecte s'appelle Claude Pradel-Lebar, qui actuellement est encore notre conseiller pour toute la partie rénovation du bâtiment. Donc c'est très important puisque Claude Pradel-Lebar a été le conseiller architecture de Victor Vasarely pendant de très nombreuses années. Il a également été le directeur de la fondation de 1975 à 1982. Donc c'est grâce à ces concours eh bien, actifs de personnes qui ont connu, qui ont travaillé avec l'artiste, que nous sommes en mesure de véritablement proposer une rénovation qui soit des plus respectueuses du travail voulu et souhaité par Vasarely. Alors, si vous le voulez bien, je peux vous présenter donc, les salles principales de la Fondation, qui actuellement sont en travaux, comme je vous l'indiquais, et comme vous pouvez le voir, bien évidemment. La première salle, qui est l'illustration en quelque sorte des souhaits de Vasarely quand il construit ce bâtiment, à savoir des salles ouvertes les unes sur les autres, aucune porte, aucune cloison entre les salles pour préférer, dirons-nous, une circulation plus aisée du spectateur dans ces salles. Il n'a pas souhaité qu'il y ait de barrières pour protéger les œuvres. C'est véritablement un choix esthétique, un choix d'une participation active du visiteur. Pour lui, il ne s'agit pas de s'asseoir à un endroit et bêtement eh bien, admirer une œuvre. Au contraire, il faut que le spectateur se déplace et découvre en tant que tel eh bien, les effets que peuvent produire tous ces travaux sur la rétine, sur cette perception particulière qu'il a de jouer avec les formes, avec les couleurs, avec les nuances. Donc l'illustration de ce bâtiment à travers ces sept salles ouvertes les unes sur les autres en est la preuve. On est en parfaite liberté, c'est un art social qu'il a souhaité, une petite anecdote, mais qui explique pourquoi Vasarely a souhaité effectivement doter la France d'une fondation, c'est que en tant qu'artiste, eh bien, il sera reconnu internationalement dans les années 60-70. Il sera reconnu comme effectivement le père de l'art optique, comme étant effectivement à l'origine de ce mouvement très important qui va influencer la mode, le design, l'industrie, la publicité, la musique. Et donc ce sera effectivement le peintre de la modernité. Donc toutes les grandes collections du monde vont se l'arracher à l'époque, du monde occidental. Et donc il a voulu donner à voir. Il a voulu rendre en fait à la société ce qu'on lui avait donné, et donc c'est un petit peu l'explication de son souhait de financer seul eh bien, ce bâtiment, de financer également la restauration du musée de Gordes. Alors chacune des salles fait entre 220 et 250 mètres carrés. Tous les matériaux utilisés par l'artiste de son vivant ont été utilisés pour le bâtiment, pour ses intégrations monumentales. Donc du carton pâte sérigraphié, des émaux de Briard, de la céramique de Delft, des tapisseries d'Aubusson,
des savonneries des Gobelins, du verre sérigraphié de Saint-Gobain. Donc tous ces éléments qui montrent qu'il est possible d'adapter à l'architecture contemporaine les thèses, les souhaits esthétiques de Victor Vasarely. Nous trouvons ici dans la salle numéro 5, la salle centrale de la Fondation, qui permet en fait de voir les 6 autres salles. Donc c'est une idée tout à fait originale à l'époque que d'avoir conçu effectivement cette circulation de cette façon, dans la mesure où on a une liberté totale d'aller d'une salle à l'autre sans aucune contrainte. Nous sommes donc dans cette salle d'éléments sérigraphiés, de carton sérigraphié, où l'on peut voir au mur donc, sa conception d'un alphabet plastique, d'un folklore planétaire. Donc Vasarely, je le redis, c'est important, est un artiste hongrois qui a été influencé par le folklore de son pays natif. Et donc on peut comprendre une partie de ses créations historiques, mais également contemporaines, à travers ce choix d'éléments très colorés, très géométriques, très simples en quelque sorte, de la géométrie pure. Voilà.